sont les buts que vous fixez? Ben moi, le but, c'est d'arriver à être plus indépendante que si quand je tombe ou comme ça, et puis de pouvoir mieux marcher, et puis de plus avoir toujours cette douleur dans le dos quand je suis fatiguée. Le mot réhabilitation n'est pas le mot idéal, puisque le corps a changé entre un moment, le corps d'avant et le corps après l'accident. Il y a eu des modifications, il y a eu des blessures peut-être, il y a eu des impacts, et qu'on n'a pas le même corps. Et souvent, dans la réhabilitation, c'était l'idée de reproduire le même corps qu'avant. Alors que là, non, on va toujours se reposer la question. Ici et maintenant, aujourd'hui, avec ce corps tel qu'il est, avec ses amputations chirurgicales ou autres, quelle est la meilleure assise gravitaire pour retrouver un potentiel de mouvement? Ils ont glissé le pied sur la table. Ah, c'est bien ça. Montez le plus haut possible. Ok, puis pour descendre, vous étirez le talon. Non, non, pas ici, que le talon. C'est vrai qu'avant, marchant, ça faisait quand même, j'étais quand même vraiment courbée en avant. Et là, maintenant, je me sens plus droite. J'arrive même à être assise sur un banc qui n'a pas de dossier. Bon, je ne vous dirai pas pendant des heures. Mais avant, ce n'était pas possible, parce qu'au moment où je me trouvais sur un banc où il n'y avait pas de dossier, ça ne tenait pas. Dès que maintenant, je me rends compte, j'ai testé ça dimanche, et j'étais au moins presque trois quarts d'heure assise comme ça, sans être appuyée. Alors je me dis, c'est quand même un progrès, c'est quand même la preuve que la musculature du dos est renforcée. Du coup, ça vous encourage? Du coup, ça m'encourage.